Je veux que Jésus règne. Ah, Jésus règne. Je veux que Jésus règne. Il règnera toujours. Jésus règne. Jésus règne. Je vais vous aider. Vous avez la volonté
Amour me dérange pas, tu es la grande en a qu'elle dit. Ça va pas ça. Ce soir, il dit au ministre, moi et vous, mais le dit vraiment. Dès qu'on fait paix, vous tombez. Avec un regardé, un ami. Cette mairie, qu'est-ce que vous et quand il va dire, il dit la preuve à ça. J'ai dit au ministre, j'ai dit, moi, j'ai pas le droit. Je ne vais pas ouvrir la couille pour lire Jean 3, verset 5. Quand il me dit, donne la parole, je n'ai pas le choix. Il dit, comme tu es ministre, je t'entends. J'attends ça. J'attends que la RTI, vous voulez pas organiser ça. Parce que la soie est pas trop. J'ai envie de montrer à la nation que Jésus est Seigneur. C'est tout mon problème. Il faut qu'on reconnaisse Dieu comme Dieu. La Bible dit heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Dans les canaux, et là où il est, la sorcellerie, oui. Amen. Amen. Merci d'avoir répondu à l'invitation. La fête d'une chose. Oui, écoute, il est pour que ça commence. Et puis, bien après, c'est pas le but. Il ne peut pas aller prendre une décision sans lui. Non, mais quand il est avec lui, c'est avec lui. Je lui montre qu'il ne faut pas aller prendre du cœur. Fallait appeler un mort. Non, mais il a dit que tu vas faire dans vos traditions, dans vos prières. Ah, ne mélange pas. Et qui Dieu? Il n'y a qu'un seul Dieu. La colonne est le véritable. Oh, le Dieu d'Israël. Qui est là? Oui. Moi. Amen. C'est lui qui devait servir. Moi, Jésus était clair là-dessus. Jésus. Il dit décidez que vous allez servir. Je vais rentrer ma maison. Jésus a dit, ma maison est la commande. Servez Dieu. On sert Dieu. On parle de l'autre. Et vous, moi, j'ai toujours organisé une rencontre. Celui qui dit sa gêne, n'a qu'à se lever par là. Chacun a son Dieu. Comme vous connaissez la question pose. Il faut être chef. Il a dit non. Il faut imposer Dieu. Je ne sais pas la manière que tu es venu comme ça. Non. Amen. Je vais imposer votre Dieu. Si tu veux dire, prier là c'est mauvais. Encore une fois, viens, viens, viens. Prier c'est mauvais. Et il dit quoi? Tu es diable. Moi, tu es diable. Parce que c'est Dieu qui fait, c'est pas moi. La demande est. Vous ne pouvez pas démarrer une activité. Ah, tu veux que ça va inviter Dieu. Mais la caméra là. Il a voulu inviter Dieu. Il a voulu inviter Dieu. Je ne pensais pas à tout le monde. Il a invité Dieu. Maintenant, vous les gens de Bogotro, que Dieu vous bénisse. Vous êtes en train de mener un bon combat. Dieu d'Israël. Il est là, d'accord. Ne vous laissera pas. On a fait un peu. Ces jeunes ça fait pratiquement plus de 6 à 7 mois ils sont en train de combattre. Mais il est lié. Mais il est lié dans le village. Oui, il est lié avec Gogo Bro. Tout est le Gogo. La chèvrie ne peut pas. Maintenant, on ne veut pas les garçons ici. Avant de faire les autres personnes, je vais vous prier. Et il est le gars prié. Alors vous voulez manger. Dans la raison, il est lié. On a fermé tout mon chemin. Ah, il est en train de pas remarquer que l'argent ne va plus comme ça. Eh, on est bien. Vous avez fait cette bague, non? Parce que chaque jour, je prie le canton. Et vous, les bâtons, c'est l'association. Si on a mangé à Zaroko, on doit aller manger à vous. Et la meilleure chose, on va manger à toi. Allez, tu peux dire comme ça et tout. Fais-le. Donne-moi un coup sur l'eau. Et là où on combat la sorcellerie,
le père est là où on combat le grand magnétisme, le magnétisme s'arrête. C'est là que vous menez un bon combat. Ce combat que vous êtes en train de mener, c'est un puissant combat. C'est un combat très long. Dieu ne vous laissera pas tomber. Je comprends parce que les cadres, et on les parents font les prendre en sorcellerie. La chance est jamais donnée. Mais Dieu, c'est un peu là-bas. Ça va pas t'aller. Il a besoin de Il allait appliquer, pas du tout, le prophète est venu évangéliser. En Côte d'Ivoire, c'est la liberté de Dieu. Et on ne peut pas empêcher un homme de Dieu d'entrer dans cette place. Répétez-moi pour aller évangéliser. Il a dit pour le bon parce que je vous ai dit, il a dit non. Il a dit non. Il a dit non. Attends, ça va pas tarder, ça ne tarderait pas si souvent. Il a fait une fois dans l'évangélisation. Il a dit que les gens ont peur. Et ne venez pas à la provocation.
Alors, le rapport, vous pouvez le la chair de pleurer. Pour elle est de et tout contre pour que vous le savez. Vas-y, ça, que c'est moi, il est bien, on ne peut pas manger. Il ne peut pas manger. On a tout, mais on va faire. La cabrille a fini. Il peut tout à l'heure, il a la ferme, il a la ferme. Il a la ferme, il a la ferme. Il peut. Le jour où vous allez poser la sorcière à nuit. Aïe, maman. Il y a un temps pour que vous ayez un peu de temps. Le jour où vous allez poser la Amen. 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 Je vous attends, Seigneur. Et bien, nous allons poser. Non, je ne dis pas ma stratégie. Je laisse en pour moi. Il y a des choses, pas qui. Ça va bien? Oui, on va bien. Oui, venez me voir. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, vous m'appelez, je vous reçois à Divo. Les choses comme ça, les restes à Divo. Appelez-moi à Rico, on va regarder. On va s'asseoir, on va régler une date, on va respecter. On va commencer une campagne d'évangélisation dans la région. Amen. On va faire une campagne d'évangélisation. On met une campagne d'évangélisation. Mais ça, c'est dedans. Vas-y, c'est pour vous évangéliser. Dans votre vie, ça. Je suis pour l'évangéliser. Et enfin, dans votre vie. On fait la grâce de Jésus. On est venu en vie. On ne vous mangera pas. Celui qui va se lever pour vous attaquer, il rencontrera le Dieu qui sera sur son pouvoir. Vous, attachez-vous. Il n'y a pas un autre pouvoir au-dessus du pouvoir de Jésus. Il y en a qui s'en et les gars, moi, cher témoin. Amen. Depuis 2006, j'ai toujours lancé un défi aux sorciers. Et bien, mon père, quel sorcier ne pourra me toucher? Je crois la puissance. C'est vous la relève. Alors que moi, ça m'intéresse. Oui. Et c'est dangereux pour l'Afrique. Les projets, mais pas de relève. C'est-à-dire, nous, on faisons des projets, mais la sous-section, la famille, on exclut ça. Si vous prenez la place des mains, vous prenez des mains, c'est vous. Si vous en mangez, vous allez rester les plus. Ça va plus exister, votre histoire n'a plus dit. Alors, pour les gens. Mais ce sont pas des combats. Un combat, c'est qu'on a fait pour l'âge d'un peu spirituel. Puis toi, j'avais dit qu'on a fait l'âge d'un peu. Donc le combat, vous êtes en train de l'amener. Vous avez la victoire. Au moins, vous avez la victoire. Ça va se réveiller. Les hommes, ils ont trop de comptes à rendre. Oui, parce qu'ils ont besoin. Ils doivent expliquer des choses. Oui, non, je ne sais pas pour hasard. Moi, je sais faire action pour vous. Et il peut nous dire que l'aide est tu vas comme ça. Tu connais ça. Il y a ça aussi. Je sais faire ça. Il est nous. On te dit, monsieur, c'est quoi le monsieur? C'est toi-même qui est venu parler. Et nous, il a tout dit. Et il veut ça. Ah, si tu commences, tu as tout dit. Et il qui n'est pas où? Tu vas les dire, tu vas les citer. Moi, quand tu as commencé, tu vas les citer, citer. Et là, vous qui n'est pas que. Tu vas les ramasser. Si c'est les voyous, les ramasses, je les ai dit. Ils ne connaissent pas. Ouais, mais Dieu est descendu dans la rivière. La montagne. C'est demandé ici. Vous-même, vous êtes courant. Il y a des funérailles contre vous. Il y a tous les courants ici. Aïe, aïe. Il y en a plus. C'est fermé. Même à toi, vie. C'est fini. Ceux qui mangent l'homme, c'est ça. Regardez là où il y a un grand, le grand baptiste. Quand on combat les bandits, les soldats, ça s'arrête en France, on a et quand on lui coupe les routes, les gens, les militaires,
fallait arrêter. Voyez, vous connaissez ça. Mais bon, quand on parle des sorciers dans une région, qu'est-ce qu'il en est? Mais il s'en est avec ça. Il est bon, quoi. Il y a un an. Il y a un an. Il y a un an. Le commissaire de la réalité vous dit merci. Allez, je vais vous dire ici, on est avec les sorciers dans une région. On est à côté. Donc, c'est libre. Parce que, vous prenez les sorciers dans la région de la police. Depuis que nous sommes ici, on ne vient plus ça. Et il y a une petite préparation. Quand vous êtes censé vous demander, il y a un mandat de l'Union européenne. Vous savez, mais vous êtes censé. On a mis une belle. Amen. C'est pour ça que nous prions pour les autres. 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 Je vous bénis ce matin. Vous avez la protection de son sang. Son sang est versé. Si vous n'étiez pas prêt de faire la volonté de Dieu, le diable va me déchirer. Si tu fais un combat, et qu'il n'y a pas un retour, c'est qu'il a un Si tu fais un retour, c'est qu'il connaît ta capacité. Thank you.
Je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances. Je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances. Et que vous enseignez et pratiquez mes lois. Vous enseignez et pratiquez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple. Vous serez mon peuple. Et je serai votre Dieu. Je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de tous vos souillures. Je vous délivrerai de tous vos souillures. J'appellerai le blé. Oui, le blé. Et je vous supplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez pas, vous n'ayez plus le problème de la famine parmi les nations. Je n'ai plus la honte, la famine sur vous. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise, de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur. L'Éternel, sachez-le, ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les rues seront relevées. Amen. Le jour où je vous purifierai, c'est ça aussi. Le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, même à vous purifier. Je peuplerai la ville. Très bien. Et les ruines seront relevées. Les ruines seront relevées. La terre de ma tête sera cultivée. La terre de ma tête sera cultivée. Tandis qu'elle était déserte aux yeux des puissants pour tous les passants. Les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Et ses villes ruinées, désertes et abattues, sont fortifiées et habitées. Et les nations qui resteront autour de vous seront comme moi, l'Éternel. J'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici encore sur quoi je vais laisser fléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux.
Vous multiplierez les hommes comme un troupeau. Les villes en ruine seront remplies de troupeaux d'hommes. Pareil aux troupeaux consacrés, aux troupeaux qu'on amène à Jérusalem pendant des fêtes solennelles. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Amen. 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 Voici une prophétie. Des prophéties. Prophète Ézéchiel, Ézéchiel, moi je suis intéressant. Dieu dit, vous purifiez de vos fuites. Tout ce que nos parents fait, vous vous suivez. L'idolâtrie de nos parents, les idées qui sont adorées, la forêt sacrée, comment nous sommes faits à changer nos vies. Ce qui fait que quand nous allons même à l'église, nos frères sont en disque. Et nous difficile de laisser la parole de Dieu. Bien que nous aimons Jésus, il est difficile pour moi de mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que nos origines, nos parents, nous l'ont consacré. J'ai dit aux enfants, par les études de notre père, pour les Africains, sont les génies. Ça ne va pas arrêter de dire c'est le génie. Ils t'ont confié. Quand nos parents vont, j'allais appourrir. Mais ils ont donné toute la destinée au génie. Donc les démons sont là dans la main. Ils sont là partis, ils sont là dans la main. Ce serait que la même chose qui vit, le païen de la famille dit la même chose. Pas de griffes, pas de différents. Parce que l'action n'a pas été brisée. Il faut que ça soit brisé. Il faut que tu sois purifié. Pour qu'il y ait désormais une différence. Que Dieu te donne un cœur. C'est là que nous faisons que désormais. C'est qui est un chrétien. C'est la parole. Tu as tiré vers le péché. Parce que les démons de ta famille t'ont été consacrés au démon de la mort. Et tu en étais vers le péché de paix. Parce que ta destinée, c'est ça. Il faut que ça soit précis. Et ce qui détruit la vie, et nous sommes des enfants de nos parents. Nous sommes là. 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 Afin d'observer ma parole. C'est quand on a une vie pour que le fait que les démons sont encore dans ta vie, même si tu penses que tu es chrétien, tu vas l'église, toi-même tu constates que tu n'as pas la parole. Il y a la parole de Dieu. J'ai ton cœur en colis. Elle a déjà dit, c'est quand même vous voulez ouvrir. L'action qu'ils ont menée va essuyer tout ça. Il n'y aura plus de traces. Les gens vont être dans le démon. Il faut que vous soyez séparés. Et là, on arrive pour ces démons. Les esprits de personnes. Là où il est fou. Il faut qu'on vous sépare. Et là, on est à la fin. Divorce avec ces esprits. Amen. Amen. En fait, il y a une nouveauté. Et là, il y a un dénévoi. Dieu dit ce qui a été dévasté va remettre sa position. Là, on a mûré. Tout ce qui a été dévasté. On est mis le cœur. Et là, on a mis le cœur. C'est toi qui dois te marier. Mon ami. Parce que tu as Jésus. Et quand je dis que c'est toi qui dois être prospère. Moi, je ne peux pas me celui qui a rendu l'or et l'argent. Madame, moi, je suis gardé là. Moi, je suis gardé là. C'est là où tu as aimé. Entre toi, moi, tu le sais. Moi, carrément. C'est Dieu. Moi, quand la gueule de paille. Les gars, on est en gauche. Et moi, mon frère. Et toi qui fais un effort. Et mon frère. Ma chère Dieu. Dans la gueule, je vois rien. Les gars, ça veut dire qu'il y a des démons. Il va être démons dans ta vie. Moi, comme toi, tu es prisonnier. Et la parole, je vais briser le sein. Et on va aller dans le nom de Jésus. Je ne veux plus de toi. 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 Non. Il y a un endroit qui a été brisé. Là, il y a un endroit qui a été brisé. Oui, parce que le démon agit. Devant les toits, les gars. Madame, on va briser. Oui.
n'y a pas une action qui est venue détruire. Oui, mais il est là. Amen. On est à dire à Jésus. Et bien, Dieu, tu n'as pas été comme ça. Et la main est où ça, amen. D'accord, on est en train de faire ce que le diable a dit. Amen. Vous avez fait un mouvement. Après, on est en train de faire un mouvement. Amen. 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 Alléluia, Voyons. Vous pouvez aller au nom de Dieu, Dieu n'envoie pas des maladies bizarres. Les maladies, c'est une maladie. C'est pour ça que Jésus a vécu la maladie. Non, il te dit ça. Pour que tu sois en conscience. La maladie, c'est une maladie. Pour que tu sois. Amen. Ce que nous réchauffons sur la terre, c'est la bénédiction. Nous parlons de la. Bien-être. Et là, on a des mots. Mais c'est vrai. Des mots. C'est vrai. Fais de toi l'esprit. Ah non, mon Dieu. Tu vis, et tu marches, tu respires. Et oui, tu es en prison. Mais bon, parlons-le. Tu es en prison. Et bon, parlons-le. Tu n'es pas enfer dans ton foyer. Et bien, dans le premier mot, des mots. C'est vrai, ma foi. Dans ton service. Dans le vrai. Des mots. C'est vrai, ma foi. Sur les démons. C'est vrai, ma foi. Je veux que tu le fasses. Non, c'est vrai, ma foi. Je dis, tu me dis, il ne doit plus être la prison. Dans le nom, on n'est pas en panneau. Non. Oh. Non. Et il dit quoi? Non. Et il dit quoi? Amen. Amen. Et le Christ dit, viens cueillir le blé. Et le cueillir. C'est vrai que le nom. Et il est là. Et il est content. Il a le poivre là-bas. D'accord, on a tout connu. C'est pas ta bouche. Oui, il est bon. C'est pas la Bible dit chez moi. C'est la Bible dit chez moi. La Bible, ma parole, parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Moi-même, je vois la parole de Dieu. Moi, il va donner la parole de Dieu. Moi-même, je vois l'évangile. Moi-même, quand tu regardes l'évangile, moi, je vois l'évangile. Moi, je vois l'évangile. Quand tu regardes ta vie, par la foi, il va dire. Qui tu es ? Voilà, quand on regarde la foi. Quand tu regardes ta vie, par la foi, il va dire. Le païen m'a dit quoi, les gens ? À moi, là, quand il va dire, il va dire. Quand Jésus dit, c'est accompli. Si je n'ai pas, il a son
pas été vidé. Quand j'ai étudié la chronologie, j'ai pleuré tout le temps pour enseigner la vie de Christ. Il a été vidé de soucis. Depuis la foule de Ponce Pilate jusqu'à la croix, la Bible déclare que nous l'avons vécu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Il dit que son sang. Il a été humilié. Le français dit ignorant. Je fais tout le grand respect que je veux dire. Ni. Tu as droit à la vie. Les démons. Les démons de la vie.
Il t'a dit, démon de vos parents, à ton avis, le docteur, il t'a libéré, il t'a dit, on ne sait pas, et ça n'est avec tous ces dieux, il t'a dit, et le nom de l'étranger, la volonté dans vos vies, on va pas disparaître. Voilà, au nom de Jésus. Parce que vous avez fait alliance, désormais, c'est la force puissante de Jésus. Alliance avec le Dieu d'Israël. On l'appelle Yahweh. Oh Yahweh, c'est pas ton Dieu. Moi, ça l'aime. À conduire de cette heure, il peut mettre un mot. Mais il est aussi pas. Et ça, vous avez ces dieux. Mais là, quand on renverse la jouquette. Et qui a un nom de Dieu. Au nom de Jésus. Je dis que je vous déclare. Et bien, moi. Après, vous allez être désormais. Allez, vite. Hérité d'Abraham. Après, vous la bénédiction que tu as prononcée sur Abraham. Et qui peut aimer, on est en compagnie au nom de Jésus. Amen. Que la maladie. Qui était encore dans ton corps, soit délivré de ce mal. Que cette semaine qui s'annonce soit une semaine de miracles. Soit une semaine de miracles. Que Dieu te sauve. Et qu'il te montre que tu as eu raison. Et qu'il te subisse. Tu ne te sois jamais celui qui place à ton corps. D'abord, en tant que le jour où il est décidé. Que vous acceptez Jésus. Il y a le monde qui a mal dessus. On a vu tous mes poumons qui étaient faits. Non, il faut que vous ayez le monde. On est là, il y a le monde. C'est ça qui mange le poids. Mais on est là, il y a le monde. Là où les hommes ont échoué. De quoi parlons? Dieu m'a délivré. Là, quand on a mis le monde. On a dit. Ce matin. Dieu. Les dieux étrangers sont en train de délivrer. Non, il y a le monde. Tout le monde. C'est démon. Ils sont en train de lâcher vos vies. Ils sont en train de lâcher vos vies. Au nom de Jésus. Amen. Une semaine. Cette semaine. Elle a gagné ma vie. Là. Parce que vous avez droit à la vie. Akapoukoué, Alaya. Oui. Écrivez-moi pour vous, Jésus. Je dis quoi, bon. La maladie. La pulmination. Ils sont humiliés. Ma peur. Ils se moquent de toi. Et ça va retourner avec toi. Parce que j'ai un temps pour toutes choses. C'est vrai qu'il y a un temps. J'ai un temps. C'est vrai qu'il y a un temps. Les gens pour moi, les gens se moquent. J'ai un temps. C'est un pour Dieu de nous rattraper. Les gens se moquaient de Jésus à toi. Vas-y, je dis comment il crucifié. Le monsieur qui a un verre bleu là. Mon verre bleu. Il y a quelqu'un qui est derrière toi. Madame, venez. Non. Oui. Je vois un génie si vous venez. Regardez-le. Oui. Voilà. Oui. Pendant que je te voyais là, au travers de ton corps, je voyais un génie. Un esprit mince, la tête, grosse tête. Non, mais il est là. Voilà. Madame, vous voulez que je vous délivre? Et moi, je dis, et moi. Amen. Amen. Voilà, je dis. Tiens, c'est bon. Parti. Parti. Au nom de Jésus. Lâchez-la. Allez, Amen.